Alors, salut la famille. Là, ça c'est très 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 grave. Ce que moi j'aimerais dire aux Guinéens, il faut que nous implorons le pardon de Dieu. Parce que ce que nous venons de faire là, ça c'est très très grave. Un, c'est pendant le mois de Ramadan. De deux, c'est dans la mosquée. La plus grande mosquée de la Guinée, que les gens ils se permettent de crier à l'intérieur où on parle de Dieu, on implore le pardon de Dieu, on crie gazo, gazo, gazo. Mais ceux qui l'ont fait, que Dieu leur pardonne, que Dieu pardonne la Guinée, parce que là, si Dieu s'énerve contre nous, c'est très très grave. Parce que le péché, lorsque ça va frapper la Guinée, ça sera pour tous les Guinéens. Donc, ce que moi, en tant que fils de la Guinée, j'implore le pardon de Dieu, ceux qui l'ont fait, que Dieu les pardonne. C'est très très grave. Ça, c'est très très grave ce que vous avez fait là. Gazo, c'est un artiste. Hein. Sa venue en Guinée, on a tous fait des vidéos pour apprécier. Mais franchement, dans une mosquée, c'est vraiment abusé. En plus, pendant le mois de Ramadan, il est où votre foi? Il est où Dieu? Dieu, il est où? C'est ce qu'on appelle l'islam. Ça, c'est l'islam, ça. Franchement, c'est vraiment ce que vous avez fait là, c'est inconcevable. On ne peut pas vraiment se taire avec cet acte que vous avez fait là. Vous devez implorer le pardon de Dieu pour les Guinéens et pour votre pays. C'est vraiment dommage. Mais les autorités guinéennes, franchement, vous devrez prendre votre responsabilité par rapport à cet acte qui vient de se passer là. Parce que ça, c'est au su du monde entier. Pendant le mois saint, le seul mois que nous devons, comment ça s'appelle, nous devons effacer nos péchés, c'est ce mois que vous péchez comme ça. Que Dieu vraiment pardonne la Guinée. C'est très très grave.